Alors je vous propose de revoir en images un événement culturel majeur organisé en Guyane dans ce cadre, la dictée créole. Alors retour en 1995, lors de la troisième édition qui était organisée avec la collaboration de l'association Rakaba, le GEREC et l'association Apéclair, c'était à la mairie de Rémire-Montjoly. Hein. Et donc pour cette troisième année consécutive, cette manifestation incontournable est retransmise sur nos antennes télé et présentée par Jean-Manuel Dupont. Et cette année-là, il y avait plus de 200 inscrits, parmi lesquels des personnalités comme Monique Rosange-Bérade, pardon, et Auxence Contou. Mais ce qui est important de souligner, c'est surtout la participation d'une trentaine d'enfants. Les meilleurs candidats ont été récompensés avec des billets d'avion pour Saül, Saint-Georges, Marie Passoula, mais aussi pour les Antilles et Paris. Et un jeu de culture générale appelé Quickaz, qui a été conçu par une enseignante, était offert aux enfants les plus méritants. Alors, on va se mettre dans l'ambiance un peu plus studieuse, hein, quelques instants, avec M. Robert Loumi, qui faisait la lecture de la dictée cette année-là et qui était président de la Plécard. On regarde. Vous savez qui courut à tes trois grands côtés, des petits points, Savane, virgule, Bourg-Kélance, point. Il t'est gagné, moun tout patou. Il t'est gagné, moun tout patou. Alors la dictée créole continue, hein, sous d'autres formes, avec l'association Rakaba ou d'autres acteurs culturels. Alors hors antenne, j'ai proposé à Steve et à Jean-Paul la dictée d'un des plus beaux dolos, hein, à mes yeux, Roune Lanmain Laveyrotte. En plus, il est facile, il n'y a que quatre mots, qui traduit l'entraide, qui rappelle l'union fait la force et qui s'inscrit bien dans l'esprit Macandy. Alors, montrez-moi, s'il vous plaît, comment j'ai écrit ça. Mouché Steve, Mokagade, Roune Lanmain Laveyrotte, pour que ça t'aurait écrit à pâte aux fautes. Oui, non, parce qu'on ne sait jamais. Ah, ben, toqué prend quand même débit comme chaud. Non, moi, ça, mais t'es pas contre Chabin, laissez-moi tranquille. Il y a des fautes, moi, j'ai des fautes, là. Mokagade, ça, Jean-Paul écrit. Roune Lanmain Laveyrotte. Et ensuite, je vous donnerai la bonne réponse. Jean-Claude, d'après mot, il y a une faute là. Hein. Ah bon? L'accent circonflexe, voilà. Ah. C'est l'accent grave.